Diascopo, miroir du football de la diaspora somalienne. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 12 septembre 2024. Une livraison qui nous emmène une fois de plus dans la tanière pour continuer à faire le bilan des léopards de la République démocratique du Congo après ces deux premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, mais plus globalement, nous allons essayer un tout petit peu d'analyser l'inefficacité comme décriée par plusieurs sportifs congolais, l'inefficacité des attaquants congolais, et donc nous allons essayer de voir, parce que les chiffres ne montent pas depuis l'arrivée de Sébastien Desabres, combien de buts les Léopards ont eu à inscrire. Cela nous donnera quand même une bonne indication sur les perspectives d'avenir, parce qu'on est nombreux à se plaindre que les Léopards ne marque pas de but, et les chiffres vont nous donner quand même une idée claire sur cette inefficacité de nos attaquants. Inefficacité ou pas, peut-être qu'il n'y a pas forcément inefficacité, vous allez voir à travers les chiffres. Eh bien, depuis l'arrivée de Sébastien Desabres en match officiel, les Léopards ont inscrit 20 buts, mais il faut savoir que parmi les 20 buts inscrits, il y en a un qu'on pourrait retirer, mais nous le gardons quand même. C'est le but qui avait été inscrit par Cédric Bakambu lors de ce match à Nouakchott contre la Mauritanie. L'ouverture du score, le match s'était soldé sur le score d'un but partout, mais par la suite, la République démocratique du Congo avait eu gain de cause du côté de la Confédération africaine de football et avait remporté ce match sur tapis vert sur le score de 3-0. Mais nous comptons quand même le but qui avait été inscrit par Cédric Bakambu, puisque le but était quand même valable. Et donc, si on devait compter le forfait, ça nous ferait 22 buts inscrits pour le compte des Léopards. Mais nous comptons 20 buts qui ont été réellement inscrit par nos attaquants. Et dans ce royaume débuteur dans la tanière depuis l'arrivée de Sébastien Desabres, trône un joueur qui n'a jamais, ou plutôt presque pas, été titulaire dans l'attaque de la République démocratique du Congo. Il s'agit du cyborg congolais fiston Maele Kalala, qui est en première position avec 4 réalisations. En deuxième position, nous avons 2 joueurs, à savoir Théo Bongonda, Théo Messi, qui compte 3 buts. Nous avons Johan Wissa qui compte également 3 buts. En troisième position, nous avons Arthur Maswaku, le latéral gauche de Besiktas, qui compte 2 buts. Nous avons Cédric Bakambu, l'avant-centre du Real Betis, qui compte également 2 buts. Et Elia Meshak, le joueur de Young Boys de Berne, qui compte aussi 2 buts. Et en quatrième position, nous avons 4 joueurs. Nous avons Silas Katompa du VfB Stuttgart, mais qui a été prêté du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il compte 1 but. Nous avons Chancel Mbemba Mangoulou qui compte également 1 but. Et nous avons Edo Kayembe qui compte aussi 1 but. Et nous avons Aaron Tchibola qui compte aussi 1 but. Donc voilà les différents buteurs chez les Léopards. Les 20 buts qui ont été inscrits sous l'ère Sébastien Desabres. Donc voilà. Et au regard de ces statistiques, est-ce que pouvons-nous vraiment nous plaindre que nos attaquants ne marquent pas beaucoup de buts? Parce que là, je constate, si je dois exclure Johan Wissa de la liste des attaquants, encore que Johan Wissa est toujours placé comme attaquant, il peut évoluer comme ailier gauche, comme souvent d'ailleurs, tout comme il peut aussi évoluer comme avant-centre. Ça arrive très souvent du côté de Brentford, le voir plutôt dans l'axe. Et donc, si on compte Johan Wissa comme milieu, comme attaquant aussi, donc ça veut dire que les attaquants sur les 20 buts inscrits ont marqué à eux seuls
seuls 9 buts. Mais si on exclut Yohan Wissa, ce sera alors 6 buts inscrits par les attaquants, c'est-à-dire les deux numéros 9 que nous avons, Cédric Bakambu qui a inscrit 2 buts et Fiston Maele Kalala, le leader, qui a inscrit 4 buts. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a péril dans la demeure? Peut-être qu'on a paniqué un peu trop et pour rien. Bon, c'est vrai que vu par rapport à la CAN, on peut se poser cette question, vu qu'aucun des attaquants, aucun des attaquants n'avait marqué de but. Mais certains peuvent voir le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Moi, bon, je le vois plein et vide. Moi, je suis entre les deux. Si je regarde la liste, nous avons normalement 4 attaquants. Lors des 17 matchs officiels, je parle des 9 hein, donc, attaquants de pointe, nous avons donc Fiston Maele, Cédric Bakambu, Simon Banza et Samuel Essende. De tous ces attaquants, le meilleur buteur, c'est Fiston Maele. Aucun attaquant, le seul attaquant qui était titulaire, qui a marqué des buts, c'est Cédric Bakambu. Et ça date de notre déplacement à Nouakchott. Donc vous voyez quand même que ça fait quand même quelques matchs que Cédric Bakambu n'a plus scoré, bien qu'il avait scoré en amical face à la Nouvelle-Zélande. Mais voilà donc, pour parler de Fiston Maele, bon, les stats parlent en sa faveur. C'est le meilleur buteur congolais. Est-ce que Sébastien Desailly doit continuer à le laisser sur le banc? Il y a à boire et à manger. Une d'autant question plus que beaucoup de Congolais se posent tout à fait. D'autant plus que parmi les 17 matchs, Fiston Maele n'a débuté qu'un seul match. Et là, il était resté mieux. C'est lors du match du troisième match de notre poule face à la Tanzanie. Il était resté mieux. Donc, Fiston Maele marque et les stats le prouvent aussi. C'est vrai qu'il n'a été titulaire qu'une seule fois, mais il marque quand il est sur le banc. C'est important de le dire. Je pense que pour ma part, en tout cas, des sabres ne devraient pas changer cet état de choses. Et puis, Sébastien Desailly l'avait répété après la conférence de presse d'après match contre le Sénégal. Il avait dit qu'il y a certains joueurs qui apportent un plus lorsqu'ils viennent du banc. Malheureusement pour Fiston Maele, c'est son cas. Donc lui, il est fort. Bon, les stats le prouvent. Hein, donc c'est vrai qu'il est meilleur buteur de la RDC, mais les 4 buts qu'il a marqués, il n'était pas titulaire. Et il était quand même important pour nous de faire allusion justement à ces statistiques depuis l'arrivée de Sébastien Desailly, le nombre de buts inscrits par les Léopards, parce qu'on était inquiet hein, par rapport à cette inefficacité offensive, par rapport à nos attaquants. Mais finalement, lorsqu'on parcourt ce top 4 des meilleurs buteurs Léopards depuis l'arrivée de Sébastien Desailly, la majorité des buts ont été inscrits par des joueurs à caractère offensif. Donc, Toti Kapé, R. Moko Kolelalela. Et cela, combien de buts? Nous avons Fiston Maele, 4 buts. Nous avons Théo Bongonda, 3 buts. Et nous avons Yohan Wissa, 3 buts également. Ça fait 10. Cédric Bakambu, 2 buts. Ça fait 12. Eliam Echak, 2 buts. Ça fait 14. Et nous avons Silas Katompa, 1 but. Ça fait 15. Et nous avons Silas Katompa. Et puis c'est tout. Donc ça fait 15 buts sur les 20 buts ont été inscrits par des joueurs à caractère offensif. Et ensuite, nous avons des joueurs à caractère défensif tel que Chancel Mbemba Mangoulou qui a un but et Doka Imbe un but, Aaron Chibola un but et nous avons Arthur Massouakou 2 buts, ce qui fait 5. Donc le 3 quarts des buts inscrits par les Léopards l'ont été par des joueurs à vocation offensive. Donc R Mokope Boye Toti Kakape Bilelela Mwanza il faut Toyeba et Loni Tolingi. C'est vrai, nous avons autant besoin de voir nos attaquants Simon Banza, de voir Samuel Essende inscrire 2 buts, mais le plus important dans la tanière, c'est quoi? C'est que Samuel Essende ou Simon Banza inscrivent des buts à titre individuel ou que le Léopard gagne, que ce soit Fiston Maele qui débute sur le banc et qui rentre après, qui inscrive le but ou alors que ce soit un autre joueur. Donc je crois qu'on devrait quand même se poser les bonnes questions pour ne pas en tout cas tout chambouler hein, dans ce qui est en train de mettre en place Sébastien Desailly. Et c'est vrai que même moi-même, hein, j'étais très très critique, mais au regard de ces chiffres, je me dis, Sébastien Desailly peut toujours acquiser, quand même, t'as trop défensif, mais ma joueur n'a eu au c'est ça, la réalité c'est ça. Et même si on compte Fiston Maele Kalala, on est très heureux. Fiston Maele Kalala a inscrit 4 buts, on est très content pour lui. Mais tenez, hein, sur les 4 buts inscrits par Fiston Maele Kalala, 3 l'ont été grâce à Eliam Echak. Donc ce qu'il
fiston ma yele kalala. Abete ke mecha kazate. Yemoka yebi déjà kazali na 25% en chance ya kouti abu. Parce que 75% babu atia et outa et pas ya elia mecha comme le disait Soso, hein, Mukoko Amale, a laissa Ben Malango Mbalebela. Tout naka ye, ou lia kite. Et le loyo, j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, quelqu'un se posait la question, est-ce que sur ces trois latéraux droits, Moukoko Amale, Gédéon Kalulu Natonzebe, Nani Soka Bete Sendarolia. J'avais rigolé, je me suis dit, bon, peut-être que t'as un souci, tu as le banal, ça, la caraba centre à l'emporte-pièce, hein, mais finalement, allez, ça quand même, Ben Malango. Donc, vrai, voilà. On fera peut-être aussi le classement des meilleurs passeurs, mais chaque doit être bien positionné. Tête, hein, parce que déjà, avec ses trois passes décisives, quatre, quand la canne, il avait déjà tout à fait. Oui, donc, oui. Soit Meshak, soit Yohan Wissan. On va vérifier tout ça. Et même Théo Bongonda pourrait aussi. Hein. Il faut qu'on essaie un peu de voir tout cela. Attention, parmi les passeurs décisifs, il y a même un gardien. Oh, ouais, il y a un gardien, Lionel Passinzao, pour Théo Bongonda. Je pense que ça devait être contre la Mauritanie ici, hein, je crois. Tout à fait. C'était le deuxième but. Voilà, c'est le deuxième but. Théo Bongonda avait fait un slalom hein, du milieu de terrain jusqu'à aller conclure. Donc, c'est vraiment important. Voilà pourquoi c'est bien hein, de revoir un peu les chiffres. Parce que là, ça nous permet d'être réalistes et de se dire que c'est vrai, il y a des choses à améliorer, mais attention, le travail qui est fait est déjà bon. Tout ça là, vraiment, attention, le travail que Sébastien Desabre est en train de mettre en place, parce qu'on est encore sur une progression, hein, donc on n'est pas encore arrivé. D'ailleurs, il avait dit en conférence de presse d'après-match que la République démocratique du Congo n'est pas la meilleure équipe du monde, même pas la meilleure équipe d'Afrique, ne rêvons pas. Toti Kako Matissa, Mapeka Nicolas Moutou Nabiso, donc Tozako travaille pour que l'Obito comme une équipe moko solide et susceptible de faire face à n'importe quel adversaire, parce que si vous voulez aller en Coupe du Monde, vous devez être capable de jouer contre l'Espagne, contre le Brésil et contre toutes ces nations. Et d'ailleurs, notre unique participation mondiale, nous avons rencontré justement les Brésiliens. Tout à fait. Dans mon écoute publication, il y a un compatriote congolais, Sengaki, ONU, hein? À Sangissa, pays à Balkan, on a tous les zones à Yougoslavie. On te met dans la barbe, en revanche. Oui, il y a 9 fois. Sangissa, Serbie, Croatie, Bosnie, Herzégovine, Bosnie, Bosnie, parce qu'il y a bien évidemment beaucoup d'enseignements à tirer sur les deux dernières journées jouées par les Léopards de la RDC, mais on a pris un peu plus globalement. Là, on a parlé de cette efficacité ou inefficacité offensive. Vous voyez que finalement, la République démocratique du Congo est plutôt efficace aussi sur le plan offensif. On parlera aussi de l'efficacité ou de l'inefficacité défensive. Hein. On en parlera aussi. On parlera bien évidemment du milieu de terrain aussi et de cette problématique de qui, pour garder justement les perches de la RDC, va-t-on continuer à balancer entre Lionel Passinzaou et Dimitri Berthaud. On verra tout ça, on va continuer à échanger avec vous. Donc nous sommes bien évidemment arrivés à la fin de cette livraison hein, de ce jeudi 12 septembre 2024. Hein. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Mais c'est devenu une habitude depuis un moment hein, parce qu'on reçoit tout le temps des commentaires, des messages. Ça nous donne toujours du pincement au cœur. On a toujours envie de faire un coucou et surtout qu'il s'agit là d'un homme de Dieu hein, qui a eu à nous écrire aussi hier par rapport à cette réflexion qu'on avait partagée avec vous. Quels enseignements tirés des deux premières journées? Et nous avons Papa Clément Nchimba Kabamba, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom, qui nous a écrit. Merci de nous tenir informés, c'est Pasteur Clément Nchimba depuis Londres. Je crois qu'en double confrontation avec nos voisins tanzaniens, on aura 4 points, victoire et nul. Et il s'inscrit déjà hein, dans ces deux prochaines journées qui arriveront mi-octobre. Hein, je crois entre le 11 et le 15 octobre, où les Léopards accueilleront d'abord les Tanzaniens ici. J'imagine qu'on pourra peut-être battre les Tanzaniens ici, aller faire nul là-bas. Mais attention, lors des éliminatoires du Mondial, c'était l'inverse. On avait fait un match nul du côté de Lubumbashi et on a été les battre copieusement chez eux. Hein.
3-0 avec un but de Doumba Fassika, je me souviens encore. Donc voilà, donc très cher pasteur Clément, pensez à prier aussi pour votre chaîne YouTube, hein, mais pour notre pays et pour notre football aussi. À vous tous, nous disons merci, hein, également à Jean-Claude Kongolo qui nous avait fait aussi ce commentaire, hein, toujours en rapport avec ce sujet-là. Vous êtes vraiment nombreux, nous sommes très très heureux et nous continuerons bien évidemment à échanger avec vous, hein, à chaque fois. J'en profite aussi aujourd'hui pour souhaiter un heureux anniversaire à l'international congolais, bien que c'était quand même furtif, hein, de Gianelli Imbula qui fête ses 32 ans aujourd'hui, donc un joyeux anniversaire. On espère qu'il va pouvoir rebondir, hein, dans un nouveau club, parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'il est en train de végéter par-ci par-là. Donc heureux anniversaire Gianelli Imbula. Gianelli Imbula qui est international congolais, mais sa carrière vraiment mi figue mi raisin, malheureusement il connaît des problèmes, je ne sais pas quel genre, est spirituel, on ne sait pas, toi bah africain, hein, bon moi le combo tamana poto, mais bon bah singa isolanda bika ka singa famille et ben dans la mekata na raté, mais parfois ils ont ben dans la melandenge il y a bien temps. En tout cas nous prions pour vous Gianelli Imbula, pourvu que vous puissiez relancer votre carrière. Voilà, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, DiascoFoot vous dit au revoir.